Les producteurs et exploitants agricoles de la région du Lodibois ne veulent pas seulement produire et vendre, ils veulent aussi que les retombées des productions profitent à leurs familles et servent au développement de la ville de Divo et de toute la région du Lodibois, d'où la mise en place d'une association dénommée Usocedad, l'Union des sociétés coopératives et exploitants agricoles du Lodibois. Et pour atteindre les objectifs assignés, une réunion de remotivation des membres est initiée par le président du Conseil régional, Zakba Komina. Ce dernier a expliqué aux producteurs et exploitants de la région de l'Eau du Bois la nécessité de faire de l'agriculture l'instrument de développement de la région. Selon lui, tout ce qui s'appuie sur l'agriculture est couronné de succès. Et pour preuve, il donne l'exemple du boom économique qu'a connu la Côte d'Ivoire après l'indépendance, un succès économique réalisé grâce à l'agriculture. Galvaniser les producteurs et exploitants agricoles de Divo ont promis retrousser les manches pour bâtir une union forte et assurer le développement de la région. Avec un capital de 20 millions de francs CFA, Sociedad comprend 4 000 membres. Le café, le cacao, l'évia, la banane et le manioc sont les principales productions agricoles de la région.